On a fait suite à fin émission et peut-être dernière vidéo et vidéo ça a lié rapport avec le de capable parler nous de dernier génie que l'a porté dans date cap 25 juin 2023 qui c'est 22e génie qui c'est IAHEL qui s'écrit YEIAHEL c'est un trône lié qui a rapport un avec le rituel lié puisque il y a rapport avec le rituel lié et il y a rapport avec machine à prière parce que ni rituel lié ni machine à prière c'est comme si on était capable de son seul il y a une sorte de relation très étroite parce que faut gagner machine d'abord que le sera prière pour capable citer prière là à l'intérieur de prière là à l'intérieur de lui-même en façon capable adresser notre date cap 25 juin 2023 qui c'est génie IAHEL, caractéristique l'un des paroles de c'est intériorisation de la renommée. Et pendant ce temps que Lyon l'autre bah qui plus les temps font des recherches tout petit sur lui, il dit que c'est un génie qui ange de relation et ils sont aristocratie de la royauté, de la réussite professionnelle et de la grandeur d'âme et lui permettre pour découvrir propre tête fort. C'est IAHEL. Pas oublier que une bah qu'on toujours dit que La prière, c'est juste un moyen pour entrer en communication avec les génies qui sont au-dessus de nous, au-dessus de nos têtes. Et pour cela, la façon pour faire là, c'est peut-être prier. Mais pour prier, il y a deux bagages obligé de faire. Un, obligé d'entrer dans un lieu secret pour des personnes pas garder un jour. Deuxièmement, tout, obligé d'accompagner avec un robinet qui a de l'eau là-dedans et avant d'entrer dans l'espace. Avant de commencer ce rituel-là, obligé de palavement, qui est un signe que, qui est capable. Et ou interpréter comme et se retirer des idées négatives, des mauvaises pensées dans ou choses qui mal pour cela pour quitter de l'eau de la bienséance dans couler dans mon du point de vue mystique qui c'est et qui a pas avec esprit sophia et laisse ça tout de suite regagner lieu de prière et pour rituel ya nous connaît que d'abord obligé qu'on plus de sou on fout la sac et bleu dans cou et rituel ya il une façon que le fait il fait différemment par rapport à rituel lié là qui s'allie d'abord pour faire rituel lié un d'habitude et d'abord qui sont obligés gagner un bouquet de l'eau. J'ai parlé de ça déjà dans l'émission précédente et même tout à l'heure on parlait de l'eau ça permet ou laver même pour retirer des mauvaises idées des mauvaises pensées par la suite d'abord quitter l'eau à couler dans mon et pour cela, ou bon blouse blanc sur vous, un foulard sacré bleu qui n'en coup, ou allumer une baleine bleue, non, et une baleine, une bougie bleue, et après finir allumer bougie bleue, vous faire mes yeux, vous longez mon vers lumière, on dit que la lumière soit. Pendant fini, vous ouvrez yeux, et puis vous faire comme ça pour prendre fluide du baleine bleue, lumière là. Et puis, d'abord, obligé rester debout pour placer à gauche une coupe d'argent, en cristal, une doigt. Ou de vert ou de calice en or et par la suite ou juste opposé face à l'est qui symbolise symbole de réconfort d'énergie pure spirituelle et réconfort physique et là ou loger deux mots chaque à l'extrémité du grand sec cabal et pour cela on mettez tout du côté droit et puis on commence prière là qui sera en rapport avec eux génir ça qui c'est et 26e génie et prière ça excusez les gain rapport avec dernier génie que n'a porté pour rejoindre et génie ça tout les gain rapport avec le rituel lié génie ça les gain rapport avec le rituel lié lié à elle qui s'écrit YEIAHEL, c'est 22e génie, caractéristique, c'est intériorisation de la renommée. Et pour nous continuer avec reste et fin vidéo, côté n'a pas le 22e génie qui c'est IAHEL et son trône. Et nous avons quelques détails que nous allons chercher sous lui. Et IAHEL, je dis que son ange de la réussite, son ange pour. Et de la réussite du point de vue professionnel, son ange tout qui comprend de dame, son ange qui permet de reconnaître tête. Et pas oublier, j'en ai toujours dit, et ça fait que dans l'émission qui sont émissions rituelles et prières, nous venons pour nous parler un peu de la prière, parce que nous disons la prière, c'est un moyen
pour permettre d'entrer en connexion avec les esprits. Mais pas oublier tout, prière là, tout les protéger contre le force mal. Mais monde parfois que qui utilise des gens d'énergie ça pour faire du mal, pour faire un autre monde mal. Mais en gros, lorsque nous concentrons dans la prière, nous connaissons, j'aime dire tout à l'heure, trois moments important pendant la journée, consacrer tout tout pour prier, ça protège. Oui, il a protège. Il a protège. Il a protège et protège les familles. Et ça fait guider les gens qui toujours fait tout le temps. Tout le temps. Et pendant toute semaine, ils sont toujours sur la prière. Et c'est une raison qui fait que nous faisons émission ça, qui sont émissions rituelles et prières, côté nous côté bon genre de connaissances par où, bah où, qui sont ces connaissances côté que on capable de retrouver. J'aime de là et deux choses positives. Donc, non, le rituel de Yé là, le rituel de Yod là, c'est rentrer sur même énergie pure, énergie positive, énergie qui va permettre ou et gagner des capacités du point de vue physique, yon moral qui pure, yon force et des capacités qui positif. Et pour cela, qui fait que à chaque fois que nous avons une émission rituel et prière, nous venons parler de génie, nous venons parler de génie, et pour cela, nous toujours pour des bons gens de détails, bons gens de formation pour tel que et dans nos deux premières émissions nous avons pour aujourd'hui qui c'est d'abord 23 juin nous avons parlé de Paralia qui c'est 20e génie et par la suite nous avons parlé de 21e génie qui c'est Nel Kael et enfin nous avons 22e génie pour aujourd'hui qui c'est Yahel Sion Tronier et nous avons parlé consistant dans caractéristiques nous avons dit que Yahel qui a un rapport avec le rituel de Yé. Le rituel de Yé, nous expliquons d'abord qui est le rituel de Yé et comment on est capable de faire le rituel de Yé. Et pour cela, on est capable de jouer à l'émission précédente, essayer d'aller garder, ou essayer de voir qui sont besoin comme élément, qui sont besoin de faire pour être capable d'adresser le génie ça qui est son trône dans la date 25 juin 2023, 22e génie. Et pour cela, après que au fin de vérifier ou à qui sont besoin fait et sous sentir que ou pas la hauteur ou quel petit détail au besoin nous toujours disponible pour nous aider. C'est que génie ça peut nous voter pour voir qui c'est dernier génie un les rapport avec le rituel de Yé et les rapport avec le machine à prier qui le grand sec cabal et pendant on a fin prière là par la suite on capable on a fin rituel là pour capable réciter prière là on dit que après avoir effectué le rituel de Yé, lire et prononcer la prière suivante. On dit, tu es sorti depuis très longtemps, Yahel, de l'œuvre cosmique, taureau, lion, aigle, homme, ange de Saturne, au lait de beauté. Ton essence change la tristesse en allégresse, ton essence change la tristesse en allégresse. En joie, chevalier cosmique de Bina, le Séphira aux ailes d'or. Tu es de la race des anges, Dieu, fleur resplendissante. Parfum de sainteté, lumière qui dissipe toute l'obscurité. Je t'invoque, ô créateur de la renommée, prudente, fruit du travail, intelligent, créé par la volonté. Pour tout de demander, de m'accorder le succès, la réussite, ainsi que la renommée pour que mes créations positives, utiles et mes œuvres de bonté puissent être étalées publiquement et servent d'exemple à tous ceux qui souhaitent œuvrer pour un monde meilleur et accorder la loi divine. Ça, c'est le prière adressé avec le 25e et 22e génie qui c'est Yahel, qui s'écrit Y-E-I-A-H-E-L, et c'est un trône. Et par la suite, où Étienne baleine bleue avec cloche là, et puis l'eau finie, où des vertus de bleu blanchant et de foulard bleu, c'est que on va toujours aller chercher des petits détails, j'aime toujours faire là, sur Google, concernant et le 22e génie qui sont tous qui c'est Yahel et on capable obtenir un paquet de détails, un paquet de belles informations parmi eux que nous disons ça tout et il y a des monde tout qui utilise de façon négative ou en façon que peut essayer de faire du mal à d'autres personnes et ça fait que nous venons à l'émission rituel et prière sont émissions qui là
pour aider à essayer de comprendre ton paquet de bagailles. Ton paquet de bagailles qui est extrêmement important. Parce que j'en ai dit ça dans le début de l'émission, génie qui est au-dessus de nous, c'est messager entre nous et dernier rempart là, qui c'est le grand architecte Yolato, pour résoudre certains de nos problèmes. Et pour cela, il y a d'autres personnes qui ont juste choisi à même ça pour nous faire du mal avec. Ça va dépendre au même qui c'est fidèle auditrice de la radio Télé Cause Boudou, compte qui soit fait, qui sac bon pour vous et qui côté vous voulez aller parce que nous pas qu'à faire choix pour vous. Et moi toujours pensé que nous prenons qui sac bon et qui nous prenons qui sac pour nous de choisir et nous prenons qui côté nous voulez aller tout. J'aime dire du nom, c'était trois génies ça que nous t'ai porté pour nous pendant juillet. Et nous t'ai porté qui a pour 23 juin, 24 juin, 25 juin. Et j'aime du nom que nous avons toujours là, nous avons là demain encore pour notre si belle émission. Cap demain, vendredi, cap 26 mai. 26 mai 2023 et pour l'autre émission côté que nous parlons le de 23e génie, de 24e génie et de 25e génie jusqu'à 26e génie qui tout qui a rapport avec rituel de vie. Non pas moi, c'est Simple Grégoire, votre serviteur qui est toujours disponible pour cette émission qui est émission fidèle et rituel et prière. Et moi j'ai gagné avec moi un tour dans ce studio, c'est Gessner, notre caméraman qui était là, qui était au concert avec moi et tout staff technique pour tes émissions, ça émission qui c'est rituel et prière et sur émission qui construit dans le but pour porter bon gens connaissance pour vous. Ça va dépendre de qui sont les faire et qui sont les faire avec lui. Merci beaucoup, à demain.